Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons présenté une opportunité d'investissement sur de Richbourg? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction, vous devez lire les rapports financiers, il n'y a pas de raccourci. Donc, la première chose qu'on fait, c'est étudier ici la tendance des revenus. Ici, on a des revenus à peu près, voilà, on va se dire que c'est stable. D'accord, donc on a des hauts, on a des bas, mais voilà, c'est une entreprise qui a à peu près des revenus stables entre 2 milliards 500, 3 milliards. En date d'aujourd'hui, on est à 3 milliards 620. Donc, je pense qu'ils ont dû faire une acquisition. C'est la raison pour laquelle on a des revenus aussi élevés. Également, ils pourraient regarder est-ce qu'elle n'a pas bénéficié de la période de Covid. Donc, je ne suis pas certain, mais dans tous les cas de figure, voilà, on va se dire que ce n'est pas une compagnie de croissance, c'est une compagnie à peu près mature qui croît généralement par acquisition et peut-être même qui a généralement des contrats. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des variations pareilles. Parce que quand on regarde la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, 0,27%. Sur les 5 dernières années, 10%. Sur les 3 dernières années, 7%. Donc, vous allez remarquer qu'en prenant comme base septembre 2021, vous allez voir que par rapport à septembre 2020, on a 46% de croissance. Donc, attention. Faut bien regarder ici qu'en 2020 on avait une baisse des revenus et avant la période de Covid on avait plutôt une croissance de 1% sur les 10 dernières années, 1% sur les 5 dernières années, 7% sur les 3 dernières années. Donc quand moi je vais analyser la compagnie, si je ne prendrai pas de croissance, on va se dire croissance zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de croissance, mais on veut pas être très optimiste, on veut essayer de regarder à peu près quelque chose qui pourrait être équilibré. Donc voilà, est-ce que je vais dire que j'aime ce genre de revenus ici? Je dirais que non, je n'aime pas ça, mais avant de dire que vous n'aimez pas quelque chose, il faut toujours lire les rapports financiers pour voir quelle est même l'attente, quelle est la structure même de ce genre d'entreprise. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est pas cyclique? Et c'est dû à quoi? Est-ce qu'ils ont vendu un segment d'activité? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, mais déjà, vous avez les années ici pour pouvoir à peu près repérer quels sont les rapports financiers que vous devez lire. Par exemple, si je devais lire ces rapports financiers, j'aurais lu celui de 2012. Parce qu'il y a une baisse des revenus ici. Et j'aurais également lu celui de 2017 parce qu'il y a une augmentation des revenus ici. C'est très important. Donc, ainsi que celui de 2021, bien sûr, parce qu'on a une augmentation des revenus ici. Mais dans tous les cas de figure, on va se dire que voilà, on cautionne ce qui est ici, c'est à peu près correct. Maintenant, au niveau de la marge brute, est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante? Vas-y, stabilité des marges brutes, d'accord? Vous voyez qu'il y a une grosse variation ici. Je pense que ça, c'est une erreur au niveau du logiciel. Donc déjà, on ne va pas le prendre en considération. Et encore, on va quand même l'interroger en lisant les rapports financiers de 2010 pour voir à peu près à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Mais je pense que c'est plutôt une erreur de mon logiciel. Mais ce qui compte, c'est la période actuelle. Donc dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a des marges EBITDA stables ou croissantes? On regarde. Croissance des marges EBITDA, on aime ça, c'est une bonne chose. Parce que si les marges EBITDA augmentent, c'est-à-dire que la rentabilité de l'entreprise augmente. Attention, quand je parle de rentabilité, c'est la rentabilité opérationnelle. D'accord, c'est pas des bénéfices nets, c'est pas des free cash flow. Parce que dans les EBITDA, vous devez encore payer les impôts ainsi que la dépréciation en capital, donc qui est généralement une dépense de capital expenditure, donc de dépenses en capital. Donc, dans tous les cas de figure, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,51. On aime bien ça ici, voilà. C'est bien, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais prendre ici des marges de 4%. Et encore une fois, ça c'est l'estimation des analystes. Vous voyez qu'on est en 2023 ici. Ils mettent des marges à peu près de 4%. Et vous remarquez que les marges de l'entreprise ont toujours été en genre, c'est pas très coordonné, c'est des zigzags. Et vous allez commencer à remarquer une chose, les entreprises de qualité ont des marges stables. Et quand les marges ne sont pas stables, c'est parce qu'il y a une raison particulière. Ici, il faut chercher pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là, pourquoi est-ce qu'on a ces zigzags-là, parce que généralement, on ne veut pas investir dans une entreprise qui a des marges qui ne sont pas à peu près, qui a des marges qui varient énormément, parce que nous, on fait des estimations, si on fait des estimations en se basant sur des données qui fluctuent énormément, il y a de grandes chances qu'on fasse des erreurs. Donc, on essaie généralement de chercher des moyennes. Actuellement, ici, en prenant 4%, on est assez optimiste. D'accord, donc on va se dire que 4%, on va se dire que les analystes, c'est correct. Ils ont peut-être raison par rapport à ce qu'ils pensent. Donc, on va dire qu'on prendra des marges ici de 4%. D'accord, donc, au niveau des multiples ici, vous allez remarquer que les multiples ici, généralement, c'est 11,86. Donc, le marché n'a pas tendance à ne pas payer énormément pour ce genre d'entreprise ici. Je peux comprendre parce que c'est une entreprise qui varie énormément. Les marges ne sont pas stables. Donc, on n'aime pas les entreprises qui ont ce genre de variation-là. Mais voilà, le business est assez simple à comprendre. Et je pense que ce n'est pas qu'ils sont situés sur un big trend, mais c'est une entreprise voilà, qui ne va pas changer, qui est difficile. Il n'y a pas grand lieu de changement technologique dans ce genre d'activité-là. Les déchets, voilà, ça ne change pas grand-chose. Voilà, il y en aura toujours, il y aura toujours besoin de quelqu'un qui est là pour pouvoir les entreposer, les transformer, etc. Donc, dans tous les cas de figure, on se dira qu'au niveau de l'analyse, qu'est-ce qu'on va prendre?
on prendra généralement des marges, je veux dire, je vais prendre 10%, pas 10%, 10 fois les PER, donc 10 fois, 15 fois et 17 fois les PER. Vous avez remarqué que la marge supérieure ici aux alentours de 31, donc on va se dire que la valeur est aux alentours de ça, d'accord? Et on prend 15 fois, c'est à ce niveau-ci, et 10 fois, c'est à ce niveau. Donc la valeur va fluctuer à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de calcul? Alors, ici, quand on prend des PER de 10, 15 et 17, avec 4% de marge bénéficiaire sur un revenu de 3 milliards 600, ça donne ici 144 millions, d'accord? 10 fois 144 millions, ça donne 1 milliard 140, ça donne 1 milliard 440, moins la dette nette ici divisée par le nombre d'actions, ça donne 7 euros l'action. Quand on fait 15 fois les bénéfices, ça donne 12 euros l'action, toujours avec le même calcul. Et quand on prend 17 fois les bénéfices, ça donne 14 euros l'action. Donc, si on est optimiste, je l'ai classé parmi les top actions. Ça me dérange même de dire que c'est une top action. Je dirais juste que le prix actuel est correct, il n'est pas mauvais. Si vous prenez en considération ces hypothèses-ci. Donc, le prix actuel est tout simplement correct en date d'aujourd'hui. Moi, je serais situé aux alentours des 12 euros l'action. Ce n'est pas une marge extraordinaire de croissance non plus, mais on a la possibilité d'aller toucher les 14, 15 euros l'action. Donc, actuellement, on cote à 10 euros. Donc, voilà, le prix actuel pourrait être une opportunité d'investissement, dépendamment de ce que vous pensez dans ce prix. Mais avant d'investir, vous devez lire les rapports financiers. Et dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui est facile à comprendre. Donc, on va se dire que personnellement, je n'aurais pas acheté de Richebourg. Pas le genre d'activité qui m'intéresse parce qu'il y a trop de variations. Je vais laisser un tout petit peu mûrir l'entreprise. Donc, ça ne me dérange pas de revenir regarder cela 5 ans plus tard, juste pour voir si elle arrive à peu près à maintenir ses marges, etc. Ou bien, voilà, si le prix arrive aux alentours des 6 euros l'action, je pourrais l'acheter. Mais je ne dis pas que le prix actuel n'est juste pas bon. Donc, ça dépend vraiment des perspectives de croissance, du maintien des marges. Donc, il faut lire à peu près quelle est la stratégie du management par rapport à ce genre d'informations-là. Donc, c'est ce que je pouvais dire ici par rapport à Richebourg. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez un avis contraire, le débat est ouvert. Merci.